titre de l'émission. Il a eu l'heure, non? Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait. 7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Édouard Baird. Pouette pouette la hurlette, la gada la queue du rat. Alors Charles Edrich, à 7h15 du matin, pour beaucoup de gens, l'aventure, c'est dire « j'ai loupé mon bus, vais-je y aller à pied ou on va prendre un Uber à plusieurs ?» Vous, votre vie aventureuse, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez été dans le Paris-Dakar, le Vendée-Globe, vous avez été sur l'Everest, l'Atlantique à la rame, des expéditions polaires, l'Afghanistan, le désert d'Atacama. Les auditeurs de Nova vous connaissent bien, puisque vous avez fait beaucoup de chroniques ici. Et là, je vous ai chopé à Thierry Paret. Qu'est-ce qui vous a dit Thierry Paret? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'émission de ce matin? Notamment, comment j'en suis arrivé à écrire un livre alors que je prends jamais de notes, pas de carnet de voyage, je suis pas du tout dans l'écriture. Et c'est grâce à Radio Nova, avec ses chroniques que j'étais obligé de préparer un petit peu, eh bien, je suis arrivé à parler un petit peu de ma passion sur tous les terrains du monde. Alors là, ne réfléchissez plus, essayez d'être en écriture automatique. Quel est l'endroit où là vous aimeriez être retransporté, téléporté, sur lequel vous avez été le plus heureux? Tout de suite, oui. Le désert. Le désert. Je trouve ça absolument passionnant. Bon, la montagne aussi, mais je trouve que c'est plus varié. On a le temps de voir ce qui se passe, de contempler, de rêver. Quand on est en mer, bien souvent en course, on est tellement qu'on veut faire avancer son bateau le plus vite possible, on est tellement dans la compétition qu'on est absorbé, on ne voit pas ce qui se passe, on n'a pas, tandis que le désert, surtout sur des traversées point à point, vous avez le temps de contempler la voûte céleste, vous n'êtes pas dans des sujets où vous êtes mobilisé, pas forcément toujours en déficit de sommeil, donc silence, c'est passionnant. Ce fameux silence du désert. Extrêmement varié, non, c'est magnifique. Est-ce qu'il est très différent en fait, il y a des silences silencieux, des silences habités, des silences occupés, il y a des silences angoissants? Ah ben vous avez toutes sortes de silences, vous avez le vent, vous avez le froid de temps en temps, le bruit des pas quand on avance dans le désert va être différent suivant la température et suivant aussi la texture du sol. Donc on entend ce bruit, souvent je suis avec un chariot que je tire derrière moi, de temps en temps 150 kilos, ce qui me permet d'être en totale autonomie. Et c'est une idée qui est... Enfin, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, de partir d'un point A et d'aller à un point B en totale autonomie. Et effectivement, on communique avec la nature. Et puis, suivant les déserts, vous avez quand même aussi une faune qu'on entend et qui est vraiment à portée de main. Alors, marchons ensemble dans le désert, ensemble. Charles Edrich, sur cette musique, on avance un peu comme dans la chanson de Souchon, qu'on s'ennuie tellement. Alors, la nuit, quand je dors, je pars avec Théodore. Marcher dans le désert, marcher des journées entières. Là, nous sommes derrière Charles Edrich avec François Rollin qui tient les sacs, puisque c'est son tour aujourd'hui. Charles, on avance, les pas s'enfoncent. Qu'est-ce que c'est ce sable dans lequel on s'enfonce, là? Alors, dans le cas présent, c'était dernièrement, c'était l'Atacama, mais là, je repars en Australie, sur le désert de Simpson. François, suis, ne te laisse pas semer. Oui, c'est bon. Il fait très chaud, là, Charles. Est-ce qu'on peut s'arrêter? On peut bivouaquer ici ou pas? Ah, disons, quand en pleine fournaise, on ne peut pas avancer. Donc, il faut s'arrêter. Par contre, à partir du moment où on arrive à se mettre à l'ombre, on arrive à tenir dans n'importe quel désert du monde. Donc, je creuse un trou, je m'installe sous mon chariot et je dors. François, il reste du lait de chamel. Non. Ah non, j'ai mieux que ça. Je recycle mon urine. Ça sera la fin de cet entretien avec le grand Charles Edrich, l'auteur de « Sur tous les terrains du monde » aux éditions du Trésor. Ne faites ça qu'en extrême nécessité. À très bientôt. Merci Charles. À bientôt, merci.